Le gouvernement du Tchad repense sa vision en mettant le secteur privé au centre de sa stratégie de développement axée sur la diversification économique. La cérémonie du lancement officiel des travaux d'élaboration du plan directeur d'industrialisation et de la diversification économique s'est ouverte par un film documentaire de 26 minutes qui met l'Afrique dans un cercle vicieux au cercle vertueux. Il retrace aussi les défis réels de l'Afrique centrale, producteur de matières premières non transformées et qui sont constamment exposés à des chocs extérieurs et qui demeurent bloqués au niveau inférieur des chaînes de valeur mondiales. Cet appel à une prise de conscience a permis à Mama Keita du Bureau sous-régional de l'Afrique centrale de faire sa présentation axée sur la diversification économique en Afrique centrale et au Tchad. La deuxième présentation, faite par Clovis Frey, met en exergue les outils d'identification des opportunités et de sélection des produits d'exportation. Le plan d'exécution de l'élaboration de la stratégie de diversification et du plan d'industrialisation du Tchad est présenté par l'économiste Aboubacar Adam. Il a développé plusieurs approches méthodologiques capitalisées sur les initiatives nationales qui intègrent le plan directeur d'industrialisation, la consultation élargie des parties focalisées sur le management de la mission. Le directeur du Bureau sous-régional pour l'Afrique centrale de la CEA estime qu'au-delà du cadre de la politique des industries extractives en Afrique, elle doit impulser la transformation structurelle et l'intégration régionale du continent. Nous pensons à notre humble avis que le plan directeur d'industrialisation et de diversification économique du pays devra être au centre du programme de développement du pays autour duquel les niveaux nécessaires de coordination interministérielle, de priorisation des investissements et d'allocation budgétaire devra être poursuivi. Dans son discours, le ministre de l'économie et de la planification du développement a souligné que le Tchad est une nation apaisée, unifiée dans sa diversité culturelle, résiliente par son économie transformée en offrant un cadre de vie agréable pour le bien-être de tous. Nous sommes un pays riche, mais potentiellement. Devrait-on continuer à être un terminus de consommation, c'est-à-dire de continuer à importer des produits finis et à les exposer, donc nous devenons des exposants des produits finis d'autres pays, d'autres économies. Nous devenons des sources d'enrichissement à d'autres pays, alors que nous devrions être aussi un berceau de production. Les travaux de l'élaboration du plan directeur d'industrialisation et de la diversification économique permettront aux spécialistes de relever les défis afin de parvenir à une nation résiliente par son économie transformée, diversifiée et compétitive.